Bon bah c'est parti pour la brocante de Courbevoisin, ça fait longtemps que j'ai pas fait, on pourrait essayer de trouver des choses. C'est parti. Il y a un Pokémon bleu hein. Ah ouais. Ah ouais, c'est vrai. Il a 15 donc il compte. Un PSP rose. Oh ya ya. Tu fais ça combien? Tu fais combien celui-là? C'est pas ça, c'est pas où? Non, il est vite. Ah, il est vite, tu fais combien la boîte? 10 euros. Ouais. 10 euros, ok. Merci. T'es gagné. Si c'est un mois, si je l'ai pris mes affaires, je l'ai mis à 10. Console TV. Voulez-vous mon argent? Allah. Combien ça? Ça fait salut. J'ai vu c'est pas moi. Ouais, c'est un mec qui aime les PSP. C'est le prix indiqué que tu fais? Non, je peux pas moi. C'est juste j'ai laissé okay. Le combien les jeux GameCube celui-là là, une partie de... Celui-là, je laisse à 8. D'accord. Okay. Il y a un notice avec. Et les mangas, tu les fais à combien? Ça dépend desquels. Là, il y a les pastels là, ah, il y a pastel, ouais. À l'unité ou en lot. Et là, je crois que c'est 2 euros à part un qui est un peu. Il a une tranche un peu, okay. Un peu sale. D'accord. Sinon, en moyenne, c'est ouais, 2,50 par euro. D'accord. Combien vous donnez pour les deux?
Et c'est parti pour le compte rendu. Alors j'ai récupéré quoi dans ces vides greniers? Oh, il y a pas mal de choses. C'est vrai que ça fait un petit moment que j'avais pas fait de compte rendu parce que il faisait trop chaud pour tourner à compte rendu. Il fait trop chaud ici, donc du coup on va le faire aujourd'hui. On va commencer par la première chose que j'ai récupérée. C'est un magnifique manga et c'est GTO en version 2 tomes. Et un gros bloc. C'est le tome 2 celui-là. Je crois que je l'avais payé 2€ au lieu de 3. Bon, il était quand même marqué à 10,50€. Hein. Donc GTO, je ne vous présente plus. Hein, Great Teacher Onizuka, hein, c'est lui qui va dans une école. Ah bah tiens, je tombe sur une page. Waouh, c'est pas olé olé, hein, c'est pas une fille, hein, c'est un sumo. Donc c'est un manga, vraiment, c'est un truc vraiment très très drôle. Donc je conseille GTO. Je le conseille. Alors il existe en anime. Mieux vaut en anime qu'en manga parce que manga il y a beaucoup de tomes. Tandis que l'anime il y a une cinquantaine d'épisodes et c'est franchement c'est hilarant. La voix en plus, la VF est super bonne. Elle est très connue la voix justement. Donc voilà, j'ai pris ce manga pour 2€. Et là on va passer à 3 jeux PlayStation 1 qui sont dans un état exceptionnel. Du coup je les ai pris parce que la boîte est vraiment, elles sont vraiment nickel. Donc ce titre-là, je ne connais pas, mais j'imagine que ça doit être ce que c'est, ça porte bien son nom. C'est Tennis Arena. Donc Tennis Arena, je suppose que c'est un jeu de tennis, hein. Je pense pas que ça soit un jeu de foot. Du coup, ouais, vu la gueule des trucs, c'est du tennis, c'est sûr. Bon, bah, c'est du classique, hein. C'est pas un truc de fou, hein. En tout cas, la boîte est vraiment propre et en plus, il y a la notice qui est bien épaisse. Regardez-moi ça, aussi épaisse que la notice de Need for Speed. Premier du nom, bon, peut-être moins. Moins épaisse, attends, moi je dirais non, moins épaisse que petite Need for Speed. Parce qu'elle est bien épaisse, hein, elle est au moins épaisse comme ça la notice. Donc du coup, bah, j'ai vraiment pris pour la boîte. Donc celui-ci, je l'ai payé 5€. J'ai pris aussi le Micro Machine V3, que je crois que je possédais en Black Label, mais pas en label Platinum. Là, la boîte est franchement, regardez-moi ça. Regardez-moi cette boîte-là. Elle est exceptionnellement propre. Bon, il y a juste de la poussière, mais sinon, c'est tout propre. Donc j'ai récupéré ce Micro Machine V3 complet, pareil pour la somme de 5€. J'ai pas voulu négocier. Hein. Hop, ici le CD en édition Platinum et pas Platinum, Platinum. Donc voilà, à quoi ça ressemble. C'est le numéro 16 celui-là et celui-là c'est le numéro 935 du SLES et le dernier c'est un grand classique, c'est un Ridge Racer avec les Champs-Élysées. Vous voyez, bah, là il y a l'arc de triomphe. D'ailleurs, ouais, on ne connaît pas trop comme ça. Hein. C'est vrai qu'on voit que c'est l'arc de triomphe, mais je sais pas, le décor ça ressemble pas vraiment aux Champs-Élysées. Hein. Il y a juste ça qui ressemble aux Champs-Élysées. Il y a juste ça. Hein. Et dans le jeu, on peut voir les Champs-Élysées, mais alors c'est un Champs-Élysées un peu spécial. Hein. Donc on remet ça en place, alors c'est une édition avec 2 CD. Donc moi je le possédais déjà mais la boîte était en mauvais état. Cette boîte là est franchement nickel. Attendez, hop, voilà. La boîte est vraiment nickel, regardez-moi ça comme c'est propre. Je l'ai pris pour la boîte, pour le jeu, pas pour la boîte. Il y a le CD, les deux CD, il y a le CD de Namco Demo, ça, c'est Namco Demo. Et le jeu Rage Racer, pardon. Donc que je ne possédais pas en version aussi propre quoi. Je ne le possédais qu'en version, bah, la boîte était pas terrible. Par contre la boîte, hop, oula, je suis en train de plier sans faire exprès, hop. Je pense qu'il y a un této qui a quand même dû se casser. Parce que la boîte elle, elle se ferme bizarrement. Donc le Ridge Racer,
Tout ça pour la somme de 15 euros, on n'a pas voulu négocier à la personne. Donc bon, au moins on a des boîtes qui sont nickel, ça remplace ça cela. Je récupère aussi un lot de jeux PlayStation 3 et un jeu PlayStation 2. Hop, pas bien fermé. Donc on récupère les Final Fantasy 13 et 13-2 sur la PlayStation 3. Donc hop, en boîte nickel. Donc on va remplacer celle que j'ai déjà parce que moi les boîtes elles étaient niquées. Et en plus, je crois qu'il y en avait un où il n'y avait pas d'indice. Ceux-là, ils sont complets. Il y a le truc qui est complet. Et pareil pour celui-là, il est complet. C'est nickel. Donc le 13, c'est le numéro 783. Hop. Ah, oui, par contre, je n'avais pas vu ça. Faites gaffe que la boîte était niquée. Donc attention. Et le Final Fantasy 13-2, c'est le numéro 1269. Et il y aura les trophées. Donc du coup, là-dessus. Et le dernier jeu que j'ai récupéré, c'est un Resident Evil 4. Bon, il est complet en version platinum. Donc ça, on était obligé de récupérer ce petit jeu-là à Nantesville. Mais en édition platinum, ça fait toujours plaisir à rentrer. Donc bien sûr, en multilangue, celui-là, non, en double langue, pardon, en français et en néerlandais, comme vous pouvez le voir. Donc Nantesville 4, hein, je ne vous plains pas, Léon, Aida... Et puis tout y quanti. Je récupère aussi une petite boîte vide pour la somme d'un euro. Le Mario Party sur 3DS. C'est le Mario Party Island Tour, pardon. Pas Mario Party. C'est le Mario Party Island Tour, voilà ça. Cherchez le nom. Donc pas complet puisqu'il manque le jeu. Donc ça sera à compléter. Et la boîte est en français. Fait plaisir. Un autre jeu PlayStation 2 en édition Platinum, mais qui n'est pas Platinum. C'est juste la boîte qui est Platinum, mais le jeu ne l'est pas. Je pense qu'il a dû se remplacer la boîte. C'est un jeu que je ne savais même pas qu'il existait, celui-là, en édition comme ça. Je ne savais même pas. Je n'ai pas dû l'avoir souvent. C'est le Devil May Cry 3 en édition spéciale Dante Awakening. Donc, c'est une boîte Platinum. Pourquoi ? Bah, je ne sais pas. Sans doute pour remplacer la boîte d'avant. Il est complet. Donc, la boîte sera changée. Dès que je trouverai une boîte disponible, je changerai ça. Donc celui-là, pareil, il est en français et néerlandais, comme le Resident Evil 4, vous avez vu. Il y a le français, il y a le néerlandais. Ça, c'est dur à dire. Hein. Donc j'ai payé 2 euros ce Devil May Cry 3. D'ailleurs, j'ai jamais dû l'avoir. Pareil, pour 2 euros... non, c'était 1 euro, celui-là, je l'ai négocié à 1 euro. C'est un jeu Xbox première génération, c'est le ESPN 2K5. Donc le NHL 2K5. En plus, il y a même un autographe là, ici, hein, de Toy Shuaki, si quelqu'un connaît son nom. Donc, celui-là, il est complet. Il est annoncé à 2. Je vais essayer de négocier un, hein, ça fait toujours plaisir. Hein, parce qu'un jeu Xbox, en plus, un jeu de sport, un jeu de rugby, franchement, ça. Faut pas plus. Hein. Je vais pas me prendre la tête pour autant. Autre jeu que je récupère dans cette brocante, c'est un classique, c'est un Dragon Ball Z. Budokai Tenkaichi, le premier du nom. Donc celui-là, malheureusement, il n'y a pas la notice. Je vais pas faire ça. Il manque la notice, mais au moins il y a le CD. Il y aura de quoi faire en attendant de trouver la notice. Ah ouais, le CD qui est un peu rayé quand même. Hein. Donc, je regarde de temps en temps. Donc celui-là, il sera à dérayer le disque. Bon, de toute façon, pour le 2 euros, celui-là, c'est pas très grave. Et il est en français. Explorer toutes les limites de Dragon Ball Z. Budokai Tenkaichi. Je rappelle que c'est un jeu de combat. Et le dernier jeu que je récupère, c'est un jeu PS3. C'est le Metro Last Night. Last Light, la dernière lumière, quoi, en gros, en français. Celui-là, c'est l'édition limitée. Donc, j'ai jamais eu le Metro sur. Sur PlayStation 3, donc c'est le premier que je rentre. Il y a un DLC gratuit, le mode Ranger, armes exclues et plus. Bon, à mon avis, les DLC, il doit être périmé depuis longtemps. Bon, celui-là, il est complet. Il y a la notice de CD, c'est le numéro 1867. Donc, ça, c'est sûr, pour ceux qui aura les trophées. Donc, contenu de l'édition limitée, il y a le mode Ranger, c'est le fusil russe modifié uniquement en mode Ranger. Et sans munitions de grade militaire supplémentaire, uniquement en mode Ranger. J'ai jamais essayé ce jeu-là, Metro. Donc ça fait plaisir à rentrer pour le full set PS3. Et le dernier jeu que je récupère, c'est un jeu GameCube. Alors pour expliquer, il y a un mec qui a acheté un lot de GameCube qui est passé juste devant moi.
J'ai quand même réussi à extirper un jeu de ce lot. C'est un jeu que je n'ai pas, bien sûr, que je ne possède pas. C'est un Billy Hatcher. Tes souhaits. Un Billy Hatcher and the Giant Egg. Donc, et le géant œuf. On va dire ça comme ça. And the. Ouais, ça. And the Giant Egg. Donc celui-là, il est en français. Alors c'est assez rare de voir de la GameCube, et quand j'en vois, je récupère. Hein. C'est fait par les créateurs de Sonic. Vous voyez, Sonic the Hedgehog. Donc c'est fait par Sega, la team Sonic Team. Et là, celui-là, il est complet. Je crois que le CD était léger. Ouais, c'est légèrement rayé. Hop, on verra pas trop comme ça, mais bon, il est légèrement rayé. Mais au moins, il est complet. Il y a la notice. Ça fait plaisir de rentrer un jeu GameCube, surtout un jeu pas très commun, le Billy Hatcher. Donc ça, c'est bien. Donc celui-là, je le ferai en let's play dès que je pourrai, bien sûr, parce qu'il faut installer tout le bordel. Et il faut surtout que le bordel fonctionne. Donc voilà tout ce que j'ai récupéré. Alors celui-là, je l'ai payé 10 euros, celui-là quand même, limite prix, mais un Billy Hatcher and the Giant Egg, ça fait plaisir à rentrer. En plus, la jaquette, la boîte, la notice et le CD sont quand même impeccables. Bon, on peut rayer le CD, mais c'est pas très grave. Donc j'ai payé 10 euros celui-là. Du coup, voilà tout ce que j'ai rentré. J'espère que cela vous aura plu, ce Vidgrenier Live. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu, le commentaire, le bleu. Ciao!